Bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices. Bienvenue dans le bulletin d'information Cadence Info qui passait du lundi au samedi sous Cadence TV Radio dans l'Europe Gadel la Kaoula. Et il n'a pas entré dans l'actualité, ça a fait actualité et pour journée. Hein? Et première dame nan, de la République lui-même, nous connaissons la marché dans plusieurs départements pour porter matériel scolaire pour jeunes, pour jeunes et jeunes étudiants, écoliers, écoliers. Et puis, il était passé dans plusieurs départements. Et jodi a la, il est tombé dans le plateau central pour continuer à porter équipement scolaire pour tout jeune. Il porter souliers, il porter valises, il porter cahiers, plumes et d'autres matériels scolaires pour Timoun dans le plateau central. Nous avons quitté nous suivre comment ça a déroulé dans le plateau central. À tout à l'heure. Yo se ti moun ki soti nan diferan l'école publique ou privée nan département sant ki resevwa matériel scolaire, souliers ak cadeaux nan men première dame république la Martine Moïse. Jè sa rentre nan kad sipo administration Moïse ak gouvernement jout la à travers première dame nan ak couche ki pi feb yo. Se yon démarche important d'après quelques directeurs l'école ki te konse ti moun ki soti nan diferan l'école publique ou privée nan département sant ki resevwa matériel scolaire, souliers ak cadeaux nan men première dame république la Martine Moïse. Jè sa rentre dans cadre sipo administration Moïse ak gouvernement jout la à travers première dame nan ak couche ki pi feb yo. Se yon démarche important d'après quelques directeurs l'école qui te konn plenyen à cause anpil élèves pa gen matériel pour yo travail. Yo rete kwè sa pote yon di plis nan qualité apprentissage la. Nous di gouvernement merci et spécialement avec madame Martine, nous remercie li parce que l'école nous participé. Donc nous sentons-nous bien, nous sentons-nous satisfaits. C'est une grande satisfaction du fait que certains parents n'ont pas de moyens pour acheter des jouets de Baltimore, gagner là pas de valise. Et ils mettent une valise, ils mettent des cahiers là-dedans, ils mettent des boîtes d'instruments, ils mettent là-dedans. Bon, c'est un bon bagage. Et la présidence quand même fait un effort par rapport avec la quantité de gens qui ne sont pas bien. On sait de faire vos valises et l'autre bagaille. Bon, mais son bel bagaille que le gouvernement fait. Il y a des fois où on parle si on parle de écriture, on parle de calcul, on parle de valises. Tout gagne là, c'est valises pour deux liés. Au contraire, on a toujours dit pas valises pas pour deux parce que si on est obligé de déplacer alors l'autre salle pour le capable mettre et ouvrage. Et mais maintenant qu'on a de toutes sortes gagne valises, toutes des valises. Bénéficiaires, remercier première dame non pour juste ça. D'après eux, qui gagne plus importance. Yo souhaité Martine Moïse rapoussive ak initiative sa ki vise soulager parents yo. Ben mbot ko gen valise jiske mbot ko gen sa yo. Men jiske gen yo m di merci. Mwen bien content et m salye moun ki voye l pou nou, m salye l pile. Mwen di li merci. M di merci beaucoup pou bon Dieu tout ba nou opportunité pou nou partager avec nou toujours. Mwen remerci première dame nan pou sa ko a fait pou nou, men nou tous remerci pou sa, nou pa commencer sou tab jwenn tout ça yo, mais nous remercie pour le protéger, pour le bien penser, pour ba nous plus aide toujours. Mais nous dit première dame non, grand merci. Merci pour ça la continuer faire et pour pas décourager. Plusieurs départements dans pays a déjà touché dans cadre série distribution matériel scolaire. Une initiative cap poursuivre selon première dame République là. Yo c'est ti moun ki n'a continuer avec actualité yo et comme nous ouais, c'était le plateau central que première dame dans les mêmes il a distribué matériel scolaire, tout distribué, tout jouet parce que nous connaît et c'est l'an décembre nous là, nous compte ça représenter pour jeunes haïtiens yo et l'on parlait de mois de décembre et aussi les fêtes de fin d'année. Sans nous n'a continuer toujours avec et développement actualité a. Nous connaît un comité et cap travail comité indépendant cap travail les mêmes comité consultatif indépendant cap travail et sous nouvelle constitution hein, et en pile avancé a fait et n'a quitté nous tendez comment et que moun qui fait partie de comité ça yo comme t'a parlé et comme n'a rappelé nous là d'ici le mois de février et constitution les mêmes il a présenté la nation et pour nous connaître qui ça n'a fait avec et ça fait nous toujours mander et zanmi nou yo, fanmi nou yo ki nan diaspora pou yo participer et nou wè tout gen an pil demache k ap fèt et nou wè ministre haïtien viv à l'étranger hein? Nou te wè ministre des affaires étrangères la yo même ap marché et fait pèlerinage partout pou yo al parler avec diaspora. N'ap kite nou suiv comment ça teye et
conseil consultatif là lui-même et comment yo t'a parlé, yo t'a présenté de ça que yo gagne pour faire et qui ça y a fait. M'a quitté nous tendez. On est qui a des sanctions la prévoir la constitution la préparer. La première constitution la préparer. Ça nous concerne on nous vient avec des sanctions. Bon. Aussi soit ça. Nous pas connaître si c'est à peine de mort à privé. Nous pas connaître si c'est avec travaux forcés à perméditer. Mais un fait certain, son préoccupation pour nous et n'a plus de fin à ça quand même. Ça nous promet un frappe. Insécurité soit avec kidnapping, la clinique. Le constitution noire, le projet noir, et puis accepter le projet noir. On kidnapping a fini dans le pays. Travail noir, son travail purement technique. Pas gagner de politique là-dedans. Pas quitter le monde dit non, ce travail politique n'a fait, c'est pour le gouvernement qui travaille. Non. Son travail technique lié. Ça, c'est même dans le mal dire. On travaille technique, non politique. Nous ne paraissons pas aucune instruction, personne. Depuis nous commençons là, pour que jamais on prenne le pouvoir, qui relève nous, qui dit, mais ça plaît, mais ça ne plaît pas. Après, il dit oui, on peut tout préparer, il fait nous signer. Non! Nous ne connaissons pas faire ça. Nous ne connaissons pas accepter, pas vrai. Pas quitter les politiciens, il dit non. Ce travail déjà préparé, c'est signé, signé seulement. Ce n'est pas vrai. En plus, ce n'est pas aucun politique dans ce qu'on a fait là. Ce sont des bagages techniques liés. Moi, ça fait là, c'est parce que je vis des bagages. Je passe tout le bagage de cassation. Je suis président pour la cassation. Je tranche des bagages. Je connais. Je suis président de la République. Je connais. C'est ça que fait là. Donc, pas rien de politique là-dedans. Son bagage technique à faire. Vous parlez de deux phases. Phase consultation qu'on y a, et puis deuxième phase de consultation auprès de secteurs, et au niveau sectoriel et au niveau départemental. Mais nous avons dit que le travail, nous, est censé finir le 26 février. L'heure nous remettre documents à pouvoir exécutif qui était et commandé le travail là. Maintenant, troisième phase là, on va regarder soutien nous et programmation nous. Après, pour nous, c'est vide. Donc, ça veut dire que le référendum, ce n'est pas travail ni préoccupation comité. Consultation, ils ont commencé depuis mars 2007. Nous partons de tout ça que fait déjà. Yo. Et c'est sur base de tout rapport, yo, nous fait programmation comité. Yo. Et nous sélectionner des questions que nous estimons que le président a dit ça, nous n'avons pas qu'à prendre charge ça sur nous. Nous retournons avec des questions, parfois qui ont gagné des positions sur nous. Régime politique là, question yon régime présidentialiste avec un président, et yon chambre monocamérale, etc. Et puis, système électoral là, simplifié et avec harmonisation mandat et de yon, réduction coût d'élection. Donc, et question des charges, question nationalité, etc. Donc, c'est là-bas qui est en fait. Nous-mêmes, nous reprenons les décisions. C'est très lourd, il y a des conséquences économiques, politiques et financières. Donc, nous retournons les questions à la population. Nous remettons les experts. C'est face à ça qui commence de novembre jusqu'à décembre. Et ensuite, nous avons fait un premier jet de constitution. Avec rapport séancier, n'a voué par organisation société civile, personnalité en Haïti et dans la diaspora, et non et au niveau département. Donc actuellement, nous contacter experts, nous quitter experts qui étaient déjà consultés dans toute notre association, dans toute notre consultation, et nous quitter comme personnes ressources. C'est-à-dire là, et nous finis premier GA d'abord. Vous voyez le document, on a pris une avec vous pour être capable de nous donner avis. Et deuxième phase, elle commence à partir de janvier.
et premier jet document n'a voué le bail association yo et organisation de la société civile autres professionnels yo institutions yo et que n'a rien rencontré yo avec texte là côté que il a fait valoir position yo sur positionnement ou bien scénario que nous adopté dans la constitution. Donc et ça nous gain le 26 février 2021, c'est date, c'est deadline que nous fixer pour être capable de finir avec cette fois-ci projet là pour nous remettre par le pouvoir exécutif là. Et j'en attendais là, c'est 26 février. 26 février, c'est date ça que comité consultatif indépendant l'a fini avec projet et puis pour le remettre li à exécutif là. N'a continuer et on a rappelé une soir suivre cadence info bulletin d'information qui passait du lundi au vendredi et n'a continuer nous gagner un autre bagage qui fait pile actualité là bon n'a quitté li pour et nous conclut émission hein. C'est nous gagner ministre des affaires étrangères là et des cultes lui même il était allé en République dominicaine ensemble avec et ministre haïtien vivant à l'étranger hein. Et côté yotali chita parler avec population hein. Et n'a quitté nous suivre comment et rencontre ça a déroulé en République dominicaine et après n'a pour retourner pour nous continuer avec bulletin d'information à tout à l'heure. Renforcer lien qui existait entre des pays yo chita parler ak membre communauté haïtienne nan sou problème y a confronté la kay voisin intégration yo nan réforme constitutionnelle là c'est sous sa yo visite officielle ça a déroulé dans échange li fait ak président République Dominicaine lan Louis Abinader et puis Tokayli Roberto Alvarez ministre affaires étrangères ak kiltio Claude Joseph fait plaidoyer pour droit haïtien k'ap vive dans ces domaines respectés et puis pour bannir toute forme agression y ap sibi nan communauté yo. Les relations entre nos deux pays a comme particularité d'embrasser tous les thèmes et tous les contours de la vie d'une société. Est-ce bien pour cela que nous devons de penser et d'orienter ces relations selon une approche holistique, de faire en sorte de prévenir ou d'éviter toutes les situations de tension ou de conflit qui ne peuvent qu'être préjudiciables aux intérêts supérieurs des deux nations. Dajabón, Santiago, Higüey, Balahona, Santo Domingo, c'est quelques parmi consulats chanceliers à visiter pendant ces jours. Sa ministre Claude Joseph tend des revendications, doléances et recommandations étudiants, membres société civile là, et citoyens dans la localité. Fongeant pour nous, comment nous-mêmes qui sortons en République Dominicaine, lorsque nous arrivons à Haïti ou bien nous finissons l'étude, comment nous faisons une série de préparations pour nous? Par exemple, si un étudiant a fini l'ingénierie alimentaire, si tu as un côté, nous avons présenté un projet pour plus ou moins examiner, pour nous voir comment tu as touché le domaine de transformation, au moins, regardez pour nous voir comment nous avons fait des choses. Nous avons besoin pour nous renouveler ça fait passeport. L'autre bien garder nous fait passeport, ce n'est pas faute de consulat. Si le consulat finit d'aider nous aller dans la zone et coucher passeport pour nous, les voies et Washington. Washington pour entendre la prendre un an presque combien de temps nous pas jouer le passeport ça c'est un crime moins lié. Plusieurs membres dans la communauté haïtienne ont demandé intégration dans la réforme constitutionnelle là et inclusion yo dans espace décision yo. Nous avons pour quatre électorales nous yo t'a fait en tant paysan prend ça en considération pour nous comme diaspora haïtienne qui vivent surtout en République Dominicaine. Président Kaban nous bureau ici à vous nous caler quoi nous tout même via tout nous caler quoi dans pays à vous nous voter pour président quelque part nous plaisir pour nous faire ça que nous voulons pour président parce que pays à pays nous aimer belle nous aimer propreté nous pas aimer bataille toute journée nous t'aimer union t'a besoin représentation représentant nous dans diaspora nèg qui ca poser candidature en dans nous mettre quelques graines nos quantités pour États-Unis pour ici pour Amérique latine pour Europe.
Bon, pour penser ça, et ce gouvernement, c'est l'autre monde qui a pensé comment ça a fait. Ministre Claude Joseph fait qu'on est, il prend en considération les recommandations ça yo, et puis promet dans tête collée à l'autorité dominicaine yo, et puis autorité yo dans le pays d'Haïti. Yo pral le travail pour porter solution à problème haïtien yo après rencontrer l'autre bord frontière. Et puis dans ça qui a ouais à projet réforme constitutionnelle là pour faciliter intégration membres diaspora yo dans la vie publique et développement pays ya. Sous question constitution, pour qui ça l'important pour nous-mêmes qui sommes ici, nous approprions nous de projet ça. Parce que c'est un projet qui tout fait, qui n'approche un groupe monde, mais c'est un projet national lié. Donc nous-mêmes qui sommes haïtiens qui vivent en terre voisine, nous supposons approprions nous de projet ça. Dans le cadre de tournée officielle ça qui dirait 7 jours, chancelier Claude Joseph signe un protocole accord sur réévaluation et redéfinition bonne frontière. Renforcer les liens qui existaient entre des pays, Chita Palé et même communauté haïtienne sous problème y a confronté la caille voisin. Intégration dans la réforme constitutionnelle là, c'est sous sa yo visite officielle ça a déroulé. Dans échange li fait avec président République dominicaine là Louis Abinader et puis Tokayli Roberto Alvarez, ministre Affaires étrangères et culture Claude Joseph fait plaidoyer pour droit haïtien qui vivent dans ces domaines respectés et puis pour bannir tout. N'a pas continué avec bulletin information et encore une fois et avant nous aller dans l'autre sujet, avant nous passer dans l'autre information que nous gagnons, n'a fait tout le monde connaît que ça vraiment nous remarquons que le ministre Affaires étrangères, Claude Joseph, et puis ministre haïtien vivant à l'étranger, et Gonzague, nous voulons vraiment vrai, et nous voulons intégrer la diaspora et les affaires pays. Et ça va faire combien l'année depuis une page, une forme de synergie ça qui existait entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère haïtien qui vivent à l'étranger pour entrer en République dominicaine. Et aussi passer dans l'autre côté de la diaspora pour ouais si au cas intégrer haïtien dans affaires pays yo. N'a dit encore ça c'est sous l'initiative du président de la République Jovenel Moïse qui fait qu'on est que fois ça diaspora pladan et la nouvelle constitution tout diaspora à pladan. N'a continuer et bulletin d'information hein, sous fait brancher là on suivre cadence info un bulletin d'information passé du lundi au samedi. Et sous cadence TV Radio, l'an le wap gadel la kaywala. Nous connaissons que l'inspection générale lui-même, c'est lui-même qui police des polices, c'est lui-même qui est là pour sanctionner policiers qui ont fait des ordres, c'est lui-même qui est là pour sanctionner policiers qui ne veulent pas respecter le règlement et la police. Nan. Nous, ouais, c'est inspecteur divisionnaire lui-même et Jonet Vital. Qui t'a fait et qui t'a bail bilan et ça qui a passé, ça qui a passé dans la police. Et une question qui vraiment attire attention nous, et c'est le, yon commencé à détecter et bandits terroristes qui l'ont groupe Fantôme 609, yon détecté 70 policiers qui fait partie de groupe ça. N'a pas quitté nous tendez, après ça n'a pas retourné et pour commentaire et analyse avant nous clôturer bulletin ça pour. Et journée jodi a la côté nous entrer la caille nous à tout à l'heure. Donc il y a un cas de usage excessif de la force de la part de certains policiers lors de la manifestation organisée sous l'initiative des médecins côté que gagné un médecin qui était sorti blessé et que inspection générale d'abord déploré par le fait que lorsque gagné gens d'activité ça y est. Il y a des gens qui sont victimes et l'hypothèse sympathie du tout à médecins. Par contre, dans le cadre de travail, toujours est-il pour protéger la population contre tout abus que le cas estime les victimes de la part d'un membre de la police nationale d'Haïti. Il y a une division qui a travaillé déjà sur le dossier parce qu'ils ont saisi une office qui fait. Côté que, enquêteurs d'arrache-pied pour trouver les meilleurs. Résultat de ça qui est passé. Et une fois que nous joignons résultat enquête là, nous avons publié à la presse pour que le grand public connaît exactement ça qui est passé jour, match médecin. Gagnez un deuxième dossier, nous allons parler de lui. Gagnez quatre jeunes garçons, d'après ça, information revient de nous, qui t'a assassiné.
mais allégation a fait qu'on a gagné implication présumée de policiers là-dedans. Une fois que ça a fait, l'inspection générale saisie et gagné une commission d'enquête, c'est droits humains qui a travaillé ce dossier. Et le inspecteur, et nous avons dit inspecteur Jonette et Vital parler de droits humains, ce n'est pas organisation des droits humains, mais c'est une section qui en d'inspection générale qui gagne droits humains là-dedans, c'est pour policiers qui prend coup, qui prend classe à l'école pour ça. Là, il parlait de secteur droits humains. On continue, tendez. Et que enquêteurs, ça a fait des enquêtes voisinage et vous tendez en pile monde et a continué enquête là jusqu'à ce que vous joignez exactement ça qui passait dans le dossier ça. On a parlé également du dossier 509 fantômes, c'est un dossier qui préoccupait en pile citoyens haïtiens. Eh bien, inspection générale a gagné 70 environ policiers qui t'a indexé dans quatre dossiers ça. Et nous tendez, et c'est inspecteur divisionnaire et Vital, 70 policiers qui indexé dans affaire fantôme 509. Bon, quitte nous retendez encore. Parce que nous disons, dans Cadence TV Radio, plus précisément, dans l'émission de nouvelles Cadence Info, nous pas fait nouvelles, nous bail nouvelles. Policier qui t'a indexé dans quatre dossiers ça, en attendant, policier qui t'a citoyen haïtien, eh bien, inspection générale a gagné 70 environ policiers qui t'a indexé dans quatre dossiers ça, en attendant, gagné 60 qui auditionné, gagné 10 là-dedans yo qui pas répondre à convocation inspection générale t'est lancé et que chèque yo retenu dans inspection générale jusqu'à ce que nous capable auditionner yo et à ce moment-là nous pas commencer fixer les responsabilités à moun qui impliqué dans des actes de vandalisme qui t'a identifié comme des policiers. Nous gagnons tout assassin. Bon, et nous espérons que nous tendez ça, nous tendez, et nous même le cadre de CV Radio, nous suivons le dossier ça de très près, parce que c'est environ 70 policiers qui impliqués dans l'affaire Fantôme 509 là. Et comme nous connaissons, il y a un pile monde qui a essayé de faire tractation pour essayer de faire moun peur. Le Abdou Kosa que c'est majorité la police là qui est Fantôme 509, c'est pas vrai. C'est un gens qui a intimidé moun, c'est un gens qui a fait pour pas gagne quelle décision et quelle disposition prend les bandes chimètes au Rissao a fait des ordres dans la police ça. C'est des vieux policiers qui pas policiers qui en dedans qui a fait des ordres ça, il a metté mauvais grain dehors parce que nous toujours connaît la police nationale lui-même, c'est une institution qui noble et policiers des vrais policiers, des bons policiers qui respectent tout principe. Et la police qui respecte hiérarchie, c'est bon policier. Et il y a plus bon policier que deux, trois vieux graines qui parlent là, qui parlent bon. Le ça, ça a fait, il y a météo de yon et il y a des sanctions contre yon. Et c'est une raison qui dit, avec l'arrivée à la tête de la police nationale et DG Léon Charles lui-même, la font travail exceptionnel sur tous les fronts, même au sein de la police nationale pour arriver. Dénicher et retirer toute mauvaise graine de la police pour une cagivine de police qui digne de Haïti. N'a continuer avec information yo et comme nous disons nous songeons que le président de la République lui-même et il était font tourner pendant week-end et le Nord-Ouest et l'a tourné ça il était font déclaration que vraiment mon Nord-Ouest applaudit à deux mains. M'a quitté nous temps de déclaration président Jovenel Moïse à 2h et nous. Ensuite, n'a pour retourner pour commentaires et analyse. À tout à l'heure. Tout gros jazz qui a là, côté suite Miki, ou de T-Vice, ou de Jacoute Musique, de Boubé, je joue dans le carnaval national à l'ESA, Porte Bellier, chérie. Si vous pas d'accord, voilà. Un petit moment, attendez. Nous sommes aujourd'hui, Kai. Bon parole de Dieu qui devait mon yovage. Le président a parlé. Le président a parlé. On y a pas moi qui dis non papa. C'est mon yo. Le président a parlé. Bon, ça veut dire carnaval 2021 sous boulevard Trois-Rivières dans Port-de-Pêche. Ça veut dire ministre entre Port-au-Prince et Port-de-Paix.
Ou pas obligé de venir là chaque semaine parce que moi-même, je suis en fait directeur général départemental, c'est le ministère de la République. Devant le peuple, il est là. Chayo, ce n'est pas en l'air, pas le passé ministre dans la route là. Premièrement, assure-toi que la route là est bien ouverte. Ok? Même la route là, pas de temps fini, il faut me dire tout ça. Mais Chayo, il n'y a pas le passé en l'air. Assure-toi que la route pour Chayo, pas le ministre. Assure-toi que 14 février, centrale électrique l'allumée 24 sur 24 pour sortir sa folie pour passer le ministre. Assure. Parce que le carnaval va qu'on fait dans le noir, ministre. Le carnaval fait dans la lumière, ministre. Le carnaval ne fait pas qu'on fait dans la vieille route, ministre. Ça veut dire fuck route là. Boulevard Trois-Rivières qui est 1,3 km, qui est amplement suffisant. Parce que là, j'aime ouvert là qu'on y a. Là, quand on prend un chariot à l'aise, ça veut dire boulevard, ça, c'est sous libre pour le carnaval là. Roulez, nous méritons ça. Tout gros jazz qui a gardé là, quand tu es suite Mickey, ou tu es T-Vice, ou tu es déjà coupé musique, de vous besoin de jouer dans le carnaval national à l'aise, porte-pellier, chéri. Si vous pas d'accord, voilà. C'était déclaration président Jovenel Moïse, et côté il fait lancement officiel carnaval 2021. Cap 14, 15 et 16 février 2021, c'est l'emport de paix. Qui avantage ça pote pour ville port de paix et pour département nord-ouest ça? Et un pile monde qui pas comprendre et qui pas connaît, depuis ap menon fête nationale, l'an on département, l'ap vini l'an commune, gen un pile aménagement kap gantan fête l'an zone nan. Notre des présidents parlait de route. Li parle de électricité centrale là pour gantan inaugurer. Parce que c'est ça, li son prétexte lié. Gran pile moun ki pa comprendre. L'on songe que président Martelly li même l'était président de la République, ça l'était qu'on fait lui même pour le fond prétexte pour gagner de ces deux zones pour gantan améliorer, li mené carnaval là là. Le mené carnaval là là, ça vient passer. Économie zone ça yo vinn prend jarrette, le ça vinn gran pile moun kap sot l'autre côté qui vini, yo vinn dépenser l'argent dans le département, le ça toute machine létale, tout appareil létale lui-même, yo la lan zone nan, si gen quelques arrangements pour faire, yo fait, ou de gantan fait. Nous comprenons, ça veut dire son prétexte que le président Jovenel prend, parce que nous connaissons que depuis en pile année, tout le monde toujours a dit port de paix et département nord-ouest, ça son département qui a abandonné, et vraiment vrai abandonné, mais nous remarquons que avec carnaval la qui a poté 14, 15 et 16 février 2021, ça pral bay nord-ouest non seulement visibilité et gen pile travail d'infrastructure cap gantan fin fête. Eh bien chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, m'a dit nous c'est sous notre ça cadence info et a dit nous bye bye et à demain pour l'autre bulletin d'information. Et jodi encore on t'a oublié mentionner événement ça et demain n'a porter plus information sur lui. Nous connaît que jodi à la c'est fête immaculée et l'église catholique lui-même il te font marche à ces bagailles tête chargée côté nous des milliers des dizaines de milliers d'haïtiens yo même yo réuni dans stade Silvio Catoa là pour yo célébrer fête immaculée pour tout chrétien catholique qui croit la maman Marie n'a dit yo bonne fête et à demain n'a venir avec plus d'informations sur ça. Ça veut dire ça montre nous que et Haïti et haïtien haïtienne les ont décidé puis pas quitter la paix fait pas prendre pas prendre la rue quand les gens sorti en foule yo sorti parce que yo croient l'on bagaille c'est ça lié et même gens tout depuis yo croient l'en pays il y a vague occupation normalement. Même là, toujours gagne sécurité, me dit nous ça. Dans tous les pays du monde, toujours gagne sécurité. Mais c'est nous-mêmes qui ne pouvons pas quitter bagay ça. Vin tourner une priorité l'envie nous pour venir faire nous paix, pour venir faire stress, pour faire maladie. Nous dit tout le monde, pas oublier, coronavirus a toujours bel et bien existé. En Angleterre, là, ils ont commencé à vacciner les gens et très bientôt la privée aux États-Unis d'Amérique. Mettez cache-né, respectez la distanciation sociale, yo, lavez les mains, utilisez hand sanitizer. N'a dit tout le monde, bye bye et à demain pour une autre émission pareille. Bye bye tout le monde.